الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب في الصوم. Alors c'est un chapitre au sujet du jeûne. نحن كنا شرحنا كتاب الصيام في أول شهر رمضان وقبله لكن نتم شرح الكتاب وصلنا في كتاب الصوم. Alors comme on a terminé le chapitre de la zakat, l'auteur aborde le sujet du jeûne et on a bien parlé de ça au début de Ramadan, mais on va continuer pour suivre les chapitres de livre Izhar al-Ifadat. فصل يجب صوم شهر رمضان بأحد أمور خمسة استكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية الهلال في حق من رآه أي أن الصوم واجب على عين من رأى الهلال وإن كان فاسقا أو بثبوت في حق من لم يره بشهادة عدل شهادة. Alors il a dit que on doit jeûner le mois de Ramadan. Et comment on doit jeûner le mois de Ramadan? Il a dit par le fait, par exemple, tout d'abord que soit on a complété Sha'ban, soit on a complété Sha'ban 30 jours, alors il faut jeûner le Ramadan, ou par le fait de voir la nuit du 30, yani la nuit, après 29 jours de Sha'ban, la nuit, on a vu le croissant du Ramadan, alors celui qui l'a vu doit jeûner, même s'il est grand désobéissant, même si c'est une femme, même si c'est un esclave, il doit jeûner. On a dit grand désobéissant, une femme, un esclave, parce que le juge, il ne va pas prendre leur témoignage. Alors eux-mêmes, ils doivent jeûner. Maintenant, la personne, on dit, il y a un témoin digne de confiance qui a témoigné, Adl Shahida, faqal, ashhadu anni ra'aytu hilal ramadan al-layla. فإذن هنا ثبت الصوم عليه وعلى غيره. Dans le cas qu'un témoin, un musulman digne de confiance a témoigné chez le juge en disant je témoigne que j'ai vu le croissant du mois de Ramadan cette nuit, alors le juge confirme et ordonne aux musulmans de jeûner. أو بإخبار من وقع في القلب صدقه. أو مثلا إنسان أخبر بأنه قال لك إنسان une personne il t'a dit comme une femme par exemple ou un esclave et tu as su que celui-là est véridique, c'est rentré dans ton cœur qu'il n'est pas en train de mentir, alors tu dois jeûner. هو أنت أخبرك إنسان امرأة أو إنسان مثلا فاسق أو عبد القاضي لا يثبت ولكن أنت وقع في القلب أن هذا صادق فتجب عليك أن تصوم. Alors celui qui t'a annoncé la nouvelle, même s'il n'est pas adl, même s'il est désobéissant, même si c'est une femme, même si c'est un esclave, et tu as cru qu'il est véridique, tu as ressenti qu'il dit la vérité, alors tu jeûnes. أو بالاجتهاد في نحو أسير اشتبه عليه الشهر كمن استمرت عليه ظلمة منعته من تمييز الليل والنهار. Un prisonnier qu'on ne le laisse pas voir la nuit et la journée, et puis lui, il fait l'ijtihad pour jeûner. Il fait l'ijtihad pour jeûner parce que peut-être il est prisonnier chez des non-musulmans et ils vont pas lui dire c'est le Ramadan ou non. Alors lui fait un effort et il jeûne. فصل وشرط صحته أربعة أشياء إسلام فلا يصح من كافر. Alors pour dire que pour que le jeûne soit valable, il faut que celui qui jeûne soit musulman. C'est un non-musulman, on dit à jeûner, c'est-à-dire il s'est abstenu de manger et de boire. On dit voilà, il s'est abstenu de manger et de boire. Mais c'est pas une adoration qui est valable puisqu'il n'est pas croyant, puisqu'il n'est pas musulman. إذن الصوم لا يصح من الكافر لو كافر قال أنا أصوم أنت يعني تترك الطعام والشراب لكن لا يسمى عبادة لا تصح منه العبادة لعدم صحة نيته والمجنون أنه لا يجب عليه الصوم أنه لا بد من العقل. Alors il faut avoir la raison saine. Celui qui est fou, il n'est pas
obligé de jeûner et ce n'est pas valable de lui. La yasihhu as-sawm min al-majnun. Le jeûne n'est pas valable de celui qui est fou. Wa naqa'un min nahwi haydin. Alors, pour que la femme puisse jeûner, elle faut être dans l'état de pureté, parce que s'il est dans les lochis et les menstrues, ne peut pas jeûner. La yasihhu minha as-sawm. Al-mar'atu fi hal al-hayd wa an-nifas la yasihhu minha as-sawm. La femme pendant les menstrues et les lochis n'a pas le droit de jeûner et ce n'est pas valable qu'elle jeûne. Mais si la femme pendant les menstrues elle dit je veux rien manger, je veux rien boire, c'est son droit. Elle ne mange pas, elle ne boit pas, mais c'est pas un jeûne. Al-mar'atu qalat ana la uridu an akula wa la ashrab fi hal al-hayd. La turid an ta'kul wa la tashrab. Yajouz. هو الذي يحرم عليها أن تمسك عن الطعام والشراب بنية الصوم وهي لم تنوي الصوم إنما تركت الطعام والشراب يجوز لها. وعلم بكون الوقت قابلا للصوم فلا صح في اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حدث موجب الشك بأن شاع وقوع رؤية الهلال من غير أن يشهد به أحد هذا اسم يوم الشك من عصى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. Alors on peut pas jeûner demain, le 30 jours de Sha'ban, et on n'est pas sûr que c'est du Ramadan parce que ça n'a pas été confirmé qu'on a vu le croissant. Il y a des gens qui disent, oui, le croissant a été vu, le croissant a été vu. Mais personne n'a témoigné chez le juge. Personne n'a dit, on a vu. Alors on dit, c'est le jour de doute. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui jeûne le jour de doute a désobéi à Abu al-Qasim, c'est-à-dire le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. إذن صيام الشك يوم الشك لا يجوز ولو احتياطا. Le fait de jeûner le jour du doute, le 30 Sha'ban, la nuit, certains ont dit on a vu, mais ça a été vu et il n'y a pas quelqu'un qui a témoigné. Ou certains enfants, certains désobéissants ont dit on a vu, mais le juge ne prend pas ça en considération. Alors c'est un jour de doute. Alors on n'a pas le droit de le jeûner même si c'était par précaution. Les hadiths قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. Le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام a dit ne devancez pas le jeûne de Ramadan par un jour ou deux, mais plutôt jeûnez à la vision du croissant et vous rompez le jeûne encore suite à la vision. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.